Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 42 au cours du DVD. Épisode 40, donc toujours rangé dans la lettre T, dans laquelle, comme je l'ai déjà évoqué la semaine dernière, j'ai pas mal de choses qui se mélangent dans beaucoup de styles différents. J'ai Turbo Kid, par exemple. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma critique à l'époque dans le Festival de l'Absurde Séance de Turbo Kid, c'est une sacrée perle à voir. Euh, j'ai euh, The Peak of Destiny de Tenacious D, que j'aime beaucoup trop, et que je trouve extraordinaire, mais ça, ce sera pour une autre émission et un autre moment. Et il y a le film que je vais vous évoquer aujourd'hui. Un long métrage d'animation. Un long métrage d'animation qui à l'époque était considéré très facilement comme un classique, voire même comme un film culte. Et j'ai l'impression que. À un moment, il s'est passé une faille spatio-temporelle et tout le monde a oublié ce long métrage. Parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas entendu parler. Et pour vous donner un ordre d'idée, lorsque je l'ai commandé, c'est parce que uniquement j'ai repensé à des souvenirs d'enfance, que je me suis dit, waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce film, il faudrait que je le revoie. Et que je me suis dit, pourquoi personne n'en parle de ce long métrage C'est quand même un film qui, lorsqu'il est sorti, a, a eu un énorme impact culturel en France et a surtout donné lieu à un vrai engouement pour un film et un auteur qui, encore aujourd'hui, reste passionnant et très intéressant. Cet auteur, c'est Sylvain Chaumet. Et le film, c'est Les Triplettes de, de Belleville. Et les Triplettes de Belleville, c'est un grand moment de cinéma. Ça, je peux vous l'assurer. L'histoire, comment La faire simple. En gros, Champion est un petit garçon adopté par sa grand-mère, Madame Souza. Euh, elle découvre qu'il est fan de cyclisme. Elle décide de l'entraîner. Euh, il devient hyper fort en cyclisme. Il commence à faire le Tour de France, mais il se fait kidnapper en plein milieu du Tour de France. Et je vais m'arrêter là parce que le film ne dure en que 1h25. Là, je vous ai déjà résumé les 30 premières minutes du long métrage. Donc ça serait un peu débile d'enchaîner sur plus que ça. C'est une merveille, les triplettes de Belleville. Et vraiment, c'est une merveille comme on en voit rarement. C'est le genre de long métrage qui arrive à faire passer par beaucoup de stades émotionnels, mais surtout arrive à générer un sentiment un petit peu d'absurde, où on se demande ce qui se passe à l'écran. Tout en parvenant également à générer une vraie fascination pour ce qui se déroule devant nous. Parce que je peux vous assurer que dès les premières minutes, vous allez déjà vous dire que vous n'avez jamais vu un film d'animation avec une telle esthétique. Parce que vraiment, Sylvain Chaumet, c'est un mec, il a son univers et ses personnages se fondent totalement là-dedans. Au-delà de ça, c'était un film qui, lorsqu'il est sorti, a complètement détonné parce qu'on était dans une période où le cinéma d'animation avait tendance à beaucoup trop abuser des dialogues. Et d'un seul coup, on a ce mec qui se pointe et qui se dit. Pourquoi mettre des dialogues quand je peux tout faire passer par l'image Et on se retrouve devant un long métrage qui passe son temps à enchaîner les moments de brio sans avoir besoin ou quasiment besoin d'utiliser un dialogue. Ce de la musique fonctionne et l'image est parente d'elle-même. Et l'image donne lieu quand même à un sacré délire. Un délire où on a une vraie pâte esthétique, où on a un vrai travail de genre. Où on a un vrai travail de personnage, où on a une histoire qui semble un peu loufoque, mais qui pour autant n'est pas complètement fumée, et on se laisse totalement emporter par ça. Et c'est ça qui m'émerveille à chaque fois que j'envoie les triplettes de Belleville. C'est parce que réellement, je trouve que c'est une œuvre qui apporte beaucoup, et qui surtout, et ça c'est quand même l'un des points les plus forts du long métrage de Chaumet, c'est un film qui peut sonner pour les enfants, pour les ados, pour les adultes et pour les petits vieux. Et ça, c'est rare, un film d'animation qui arrive à toucher autant de monde au travers d'un seul style. Parce que, mine de rien, sur le papier, Les Triplettes de Belleville, ça reste quand même un long métrage qui devrait un petit peu dérouter. Quasiment pas de dialogue, donc ça veut dire qu'il faut rester concentré sur l'image. Ça dure quand même 1h25, ce qui peut être long lorsqu'il n'y a pas de dialogue. C'est une esthétique très particulière, euh, très marquée, qui a tendance à créer des personnages qui sont limite bizarres, voire même carrément moches des fois. Et pour autant, on se dit pas ils sont moches, on se dit juste qu'ils sont biscornus. Et c'est ça en fait qui rend le tout vraiment amusant, c'est que on se retrouve pas devant un long métrage devant lequel on est choqué ou qu'on se dit "ah, oh, c'est bizarre, c'est quand même trop perché, ça fonctionne pas". On se dit juste que le metteur en scène a son petit univers, qu'il a envie de nous embarquer dedans, qui prend des mécaniques de cinéma muet qu'on n'a plus tant que ça l'habitude de voir sur les toiles françaises surtout à l'époque, parce que mine de rien, le film datant, si je ne me plante pas, c'est ça, de 2003. La vache, tu prends un coup de vieux quand tu dis ça. Et ben, oh la vache, j'ai pris un coup de vieux là, d'un seul coup. Euh, et ben, tu te dis que, ouais, ça ça suffit quand même à, à imprimer quelque chose dans la tête du spectateur. Et moi, personnellement, alors, vous voyez, je me souvenais même plus qu'il date de 2003, pour moi, il était un peu plus récent. Et je le trimballe depuis donc, que j'ai l'âge de 11-12 ans. Et, et je me souviens encore quasiment de tout le film par cœur. Et même lorsque je l'ai revu... Plusieurs années plus tard, quand j'étais un peu plus adulte, je me suis dit le film, j'ai l'impression que c'est hier la dernière fois que je l'ai regardé. Et c'est ça en fait qui me marque, c'est que j'ai la sensation de voir une œuvre qui parvient à se transporter dans le temps sans avoir besoin d'en faire des caisses. Et c'est tellement rare aujourd'hui les films d'animation qui ne cherchent pas à en faire trop, mais juste à être symptomatique d'un genre où c'est l'image qui doit être la plus marquante et qu'elle n'a pas besoin d'avoir d'extravagance pour réussir à nous toucher. Bah c'est ça en fait qui marque. Et c'est ça qui fait que les triplettes de Belleville, j'adore regarder ce film. Je trouve vraiment génial. Euh, niveau bonus, il n'y a pas grand chose à se mettre malheureusement. Parce que je pense que, vu qu'à l'époque c'était une toute petite prod, euh, ils n'avaient pas de quoi faire un making-of. Donc du coup, bah, compliqué de savoir comment Sylvain Chaumet a réussi à concevoir ce long-métrage et à le mettre en forme. Heureusement, il s'est rattrapé sur l'illusionniste, son suivant long-métrage qui, lui, pour le coup, est bourré de bonus. Et je vous conseille de regarder ça parce que ça vous montre à quel point il concevait vraiment des longs-métrages à l'ancienne, avec des belles tables à dessin, avec des beaux dessins bien faits au crayon, etc. Et c'était vraiment extraordinaire. Et c'est extraordinaire encore aujourd'hui de concevoir des films comme ça. Euh, là-dessus, oui, il y a juste le clip de... de, 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 de Mathieu Chedid. Enfin, voilà. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, soyons sincères là-dessus. Mais pour autant... Je vous conseille très fortement, si vous ne connaissez pas les triplettes de Belleville de Sylvain Chaumet, de le regarder. Parce que bien au-delà d'être un grand film d'animation, c'est un grand film tout court. Et je suis triste de voir qu'avec le temps, il semble avoir disparu de pas mal de conscience. Réhabilitez-le, faites-en un grand moment de cinéma et faites-le regarder à vos enfants si jamais ils ne l'ont jamais vu. Parce qu'ils vont adorer, je pense. Ils vont peut-être être un peu perturbés au début, mais ensuite ils vont adorer. J'en suis sûr. Ainsi s'achève donc cet épisode 42 au coin du DVD comme d'habitude. Si vous avez vu le film, si vous comptez le voir, le montrer à vos enfants, vos petits-enfants, etc., n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je lirai comme toujours ce que vous en avez pensé. Et comme à chaque fois que je conclue cette émission, je vais vous dire tout simplement qu'il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.